Ana bintu byinshi abayobozi batuganirije twebwe match yose tugiye gukina batubwira ko ari finale. Batubwira ko ari finale rero tukabyaplika muri match. Hanyuma ibitego bibiri umukino wa 24 mudatsindwa ku ruhande rwanyu. Nubwiyunge n'abafana? Ya cyane kabisa nubwiyunge n'abafana bakishima bari bamaze imitsi batishimira yandi mikino yacu ariko Imana yadufashije uyu munsi. Kwabikotsuye kandi tubonyereza itanzi. Basaba iki mu mikino isigaye? Nuko tuba hafi bakatugumya tugo bakadupushinga natwe tukaba ibyishimo. Visite CS ndavuga General Mubaraka hari yababwiye iki nimugoroba kuko ntabwo twabashije kubimenya ariko tubonye ape bisa nkaho hari icyape. Oya nta kintu kicye yatubwiye gusa yatubwiye tube concentrate iyi match. Natwe turamubwira ati uyu munsi tugomba kwitwara neza yaba ari deribi buri mufana wese afana ekipe abashaka kitsinda kandi tubishimiye Imana ndacyabivuga ko Imana iduha intsinzi uyu munsi. Merci ça. Mais comme il y a deux jours, vous savez pas compter. Hein. 13 points d'avance, mais il nous faut, si le deuxième gagne tous les matchs, il nous faut une victoire, je pense. Ouais. Et c'est important de gagner ce match parce que c'est un enjeu plus important que le résultat. Mais ça a été difficile, très très difficile. Et on a réussi à répondre à leurs problèmes, notamment en deuxième mi-temps, où tactiquement, ils nous ont posé un problème en passant à 3 derrière. Mais ouais, c'est pas notre meilleur match, mais on a été efficace, c'est l'essentiel. Alors, ça impose que les coachs adversaires disent qu'ils étaient au-dessus de l'attaque. Moi, parce que c'est vrai que les coachs étaient au-dessus des appels au niveau tactique. En fait, je sais pas si c'est au-dessus, en tout cas, ils nous ont posé des problèmes. En se mettant à 3, avec les couloirs, on a souffert. On a eu du mal à maîtriser parce qu'on voulait garder Baka et Gilbert plus haut pour les contrer. On a mis du temps à le faire, mais on a réussi et je pense qu'on aurait pu marquer avant, mais malgré tout, on a beaucoup subi, on a beaucoup reculé, sans être vraiment dangereux. Mais malgré tout, le tournant, c'est la frappe arrêtée par notre gardien, Pavel, qui était extraordinaire. C'est le tournant du match. Je pense que s'ils revenaient au score, mentalement, ils étaient... C'est pas qu'ils étaient supérieurs, mais ils nous marchaient dessus, quoi, comme on dit. Alors, avec 13 points d'avance, quelle sera l'ambition dans le deuxième match de championnat? C'est peut-être de faire le championnat sans être... Ouais, c'est un gros objectif, mais déjà, il faut toujours prendre le premier, c'est d'être champion. Après, on va essayer... On va essayer d'avoir le maximum de points et sur la fin, si on peut être invaincu, on le fera. Mais ce qu'il faut, c'est... J'ai bien compris que les gens attendaient des victoires et des buts, donc on va essayer de le faire avec nos moyens. Là, on a 9 internationaux, donc on ne va pas pouvoir travailler. Plus les étrangers, je crois qu'on va perdre pratiquement 50% de notre effectif. On va avoir du mal à bosser dans les 3 semaines, mais enfin les 15 jours. Et après, on va essayer de les préparer pour le prochain match. Le premier match, c'est le plus important après une coupure et il faut repartir avec l'ambition de gagner le plus de matchs possible. Coach, on peut dire que c'est un match de réconciliation avec le fan. Leur exigence était gagner le Classico aussi, avec beaucoup de buts. On peut dire que... Mais les fans ont raison d'être exigeants, c'est évident. Après, c'est la façon dont ils l'expriment. Moi, quand j'ai appris qu'il y a des gens qui ne venaient pas, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire. Ça me déçoit. Pas qu'ils ne le viennent pas, mais que je n'ai pas de solution immédiate. Et un fan qui ne vient pas, c'est un fan qui est blessé. Donc ça me gêne. On n'est pas là pour blesser les gens. Après, il faut qu'ils comprennent que pendant tout le match, on a besoin d'eux. On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu une osmose. Il nous fallait de l'énergie. Et j'espère que jusqu'à la fin de saison, même si on ne gagne pas... tous les matchs, ils seront derrière nous pour que ça soit une joie parce que un championnat, c'est tout un travail d'équipe dans le club, mais aussi à l'extérieur. Les fans, on a besoin d'eux et les joueurs ont besoin d'eux. Ça leur permet de se transcender. Coach, hier soir, vous avez visité le CDS. Quel est le message du CDS? Le CDS, c'était nous encourager, nous dire qu'on représente un club. Il y a aussi, encore une fois, il nous a parlé des fans. Il faut les contenter. Donc c'était bien sûr la victoire, mais c'était surtout d'être engagé. Sherman Richard aussi a...